Ce vidéo va être tout en français. This video will be all in French. I'm going to be giving a talk very soon at Harvard for a couple of French classes. And I thought I'd just do a once through of my talk. And I'm going to do it in French. If you want to see a version of it in English, I'll do that on my Patreon. Mais sinon, on va commencer, oui, avec mes deux chiens derrière moi. Alors, d'abord, je dois vous avertir que peut-être je ferai quelques fautes de prononciation de français. Parce que, en réalité, une réalité assez triste, je parle très peu le français dans ma vie actuelle. Même si je suis prof de français, je n'ai pas assez d'étudiants avancés pour parler comme ça. Je donne plutôt des cours de français 1, français 2. Alors, si vous trouvez des fautes ou si vous entendez des fautes, mettez-les dans les commentaires, ça peut faire rire. Allez? Bien. Alors, voilà le sujet de ma communication, c'est l'évolution contestable du rap français. Oui. Et voilà, c'est pour un public qui ne comprend pas presque rien sur le rap français. Alors, et ça vient avec une question qui a été posée par la femme, mon collègue, qui enseigne le cours à Harvard. Moi, je ne suis pas du tout à Harvard, je suis dans une autre université. Mais bien, elle m'a dit, what do you think about the evolution of rap or the pop industry in France? Et c'est ce mot, évolution, que je trouve assez intéressant. Oui? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une évolution ou plutôt d'une déévolution, qui est un mot qui n'existe pas? Alors, peut-être détérioration, qui est un mot très difficile à prononcer. J'imagine, même si vous êtes français, vous avez du mal à prononcer détérioration. Mais bien, c'est ça la question. Et pour contextualiser cette question, pour poser cette question, j'ai choisi de comparer deux actes différents, de deux époques différentes du rap français. Et pendant ce discours, je pose la question, est-ce que c'est vraiment évolution et détérioration? C'est une question de le rapport art et commerce. Est-ce qu'on peut dire que le commerce fait partie de l'art ou que peut-être maintenant l'art fait partie du commerce? Peut-être ça, c'est le changement. Alors, pour commencer, on va traiter deux actes différents. Un acte, un groupe de l'âge d'or du rap français, j'ai choisi mon groupe préféré de 1997. Vous tapez déjà, je sais. Et puis le rap actuel avec une chanson de 2020. Alors, pour ça, j'ai choisi Petit Frère d'IAM, oui, et Tout en Gucci de Nino. Alors, deux chansons très connues qui ont eu beaucoup de succès lors de leur sortie. Mais voilà deux chansons très différentes qui manifestent ces différences. Alors, quand on entend le mot Gucci, peut-être on pense tout de suite à Lil Pump, le rappeur américain, celui qui, pour les fanatiques du rap américain, de vrai hip-hop, représente peut-être le nadir du rap américain. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Il se répète, il parle de la drogue, il parle de sexe. Il est vidé de sens. C'est complètement débile, stupide et le contraire de ce qu'on appelle le vrai hip-hop. Alors, dans ce contexte, si on compare IAM et Nino, peut-être on va écouter et déterminer une détérioration. Alors, pour mieux vous situer, si vous ne connaissez pas ces chansons, si vous parlez français, j'imagine que vous connaissez ces deux chansons, mais qui sait? Alors, on commence avec Petit Frère d'IAM. Et pour ça, il faut écouter le fait que c'est fondé sur la batterie, quelques échantillons intéressants de Wu-Tang Clan, aussi un échantillon de jazz, les textes intéressants, bien prononcés. Alors, on va écouter juste quelques secondes de cette chanson très connue. Alors, même avec le scratch,
Eh bien, si on peut comparer ça à cette autre chanson, Tout en Gucci de Nino, chanson qui semble être plutôt pop, hip-hop, on va écouter comme il chante avec l'espace, les échantillons sont disparus, le scratch s'est disparu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est du pop. Avec de l'autotune partout, la voix manipulée d'une façon par les ordinateurs. Oui, alors c'est clair que pour moi, si je veux être plutôt de vrai hip-hop, celui qui adore le Wu-Tang Clan, l'âge d'or, oui, que ça représente la détérioration, mais il vaut mieux comprendre un peu dans le contexte. Alors, pour cette classe, les étudiants ont regardé un documentaire sur Arte sur le rap conscient en France. C'est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien dans le description. Et là, on dit que tout le rap était conscient. Joli imparfait qui implique quelque chose qui durait, mais voilà, cela montre quand même que c'est fini. C'était aussi dit que le rap engagé de l'époque, c'était un rap avant les années 2000. Alors, pour commencer cette étude sur le changement, l'évolution, il faut commencer au début. Alors, si le rap a commencé en 84, et si le rap a changé en 2000, et si nous sommes en 2021, voilà pourquoi pas, avec cette frise chronologique, suivre le rap français. Oui? Bien. Alors, avec le début, c'était surtout en France, grâce à Afribambata et le New York City Rap Tour qui a commencé le rap en France. C'est un Américain qui arrive et qui a établi quelques règles de l'art du hip-hop. C'est grâce à lui que c'est la culture hip-hop qui est née en France et pas juste la musique rap. Distinction importante à faire. Alors, tout était fondé sur l'unité, la paix, l'amour et s'amuser. Et aussi, il insistait qu'on doit rapper en français. Okay? C'est pour ça que maintenant, la France, c'est le deuxième pays du monde pour le hip-hop. Alors, on rappe en français. Et aussi, il a insisté que le hip-hop, ce n'est pas seulement la musique. C'est grâce à lui et grâce aux gens qui ont fondé le old school du rap dans les années 80 qu'on peut avoir l'âge d'or du rap français vers la fin du XXe siècle. Alors, le rap français avant 2000, c'est marqué par les quatre éléments du hip-hop. Le rappeur, le DJ, les danseurs, le graffiti, cela manifeste toujours les valeurs collectives, c'est-à-dire le « nous ». Et si on parle de l'argent, c'est un argent qui corrompt, ce n'est pas un argent bénéfique. La chose la plus importante, pour moi en tout cas, pour le rap français, c'est que ça donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Souvent des immigrés, souvent des pauvres, mais c'est ça le rôle que l'hip-hop joue dans le monde entier. Voilà pourquoi moi je trouve l'hip-hop c'est la force culturelle la plus importante qui n'a jamais existé. Ça c'est vraiment mon opinion. Alors l'hip-hop c'est le plus important, plus que la musique classique, plus que le jazz, plus que le rock and roll, c'est l'hip-hop qui, d'une façon mondiale, donne la voix aux gens qui n'en ont pas. Et aussi, assez important, ce qui concerne la France, surtout après les vagues d'immigration des années 70, cela met en valeur la culture et les racines africaines. Faute de frappe avec racines, ça ne vaut pas la peine de me dire dans les commentaires. Bien. Alors, et c'est ça qu'on voit avec la musique d'IAM qu'on a déjà écouté un peu. Akhenaten, qui était partout le documentaire que les étudiants ont regardé,
pour cette classe. Alors, si on considère cette chanson « Petit frère », ouais, alors je vais poser aux étudiants, d'après vous, c'est quoi le sujet de cette chanson? Ouais. Alors, c'est déjà pas une chanson de moi, mais une chanson de quelqu'un d'autre. C'est une chanson qui traite les thèmes de pauvreté, la vie dans le ghetto français, la vie des fils d'immigrés et les difficultés avec l'argent, le manque d'argent, le crime, la criminalité, les émeutes, le racisme. Tout est là dans cette chanson. En fait, pourquoi pas regarder le clip qu'ils ont fait, clip qui a, je ne sais pas, 60 millions de vues sur YouTube maintenant, pour voir exactement l'esprit du rap français de l'âge d'or. Déjà, vous allez noter que aucun membre d'IAM se trouve dans ce clip. C'est plutôt un film et pas vraiment un clip. On voit les images de violence, on voit la banlieue, on voit les HLM, on voit la famille, on voit l'aliénation, on voit les émeutes. Ces conflits des générations dans des familles avec la musique derrière qui fait beaucoup de bruit, les images des meutes, l'image des jeunes délinquants dans la cité. Et c'est clair qu'on voit la tag même. Puis, ils arrivent à l'école et on a des problèmes avec le professeur. Cette aliénation, cette violence, ces problèmes sociaux. Quand on parle du rap conscient, ce rap conscient avant 2000, c'est ça. C'est ça qu'on veut dire. Oui? Bien. Et si vous regardez les paroles, assez simple, oui. Alors, petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Alors, ça, c'est assez difficile à traduire. Moi, j'ai jamais entendu l'expression « bottes de 7 lieues ». Mais bien, je suis pas français, je n'ai rien. Petit frère veut grandir trop vite, mais oublie rien à sœur à courir petit frère. Alors, c'est une chanson pour la modération et aussi qui dit aux jeunes Français d'éviter les rêves d'argent, les rêves de grandeur. Il vaut mieux comprendre qui on est et travailler pour sa famille, travailler pour la culture. Eh bien, avec IAM, on a un groupe qui représente avant 2000 et qu'est-ce qui se passe en 2000? D'après le documentaire, c'est devenu un truc mercantile, c'est devenu un business. OK? Voilà. Pourquoi et comment? Quels changements ont eu lieu pour avoir le rap comme un truc mercantile? Alors, j'ai trouvé un entretien à la télévision avec Akhenaten qui disait, Akhenaten très très jeune, il a l'air d'adolescent, avec ce pool excellent, c'est amusant. On espère que les radios et les télévisions changeront. Alors, c'est ça d'abord la chose qui est passée pour le rap français. En 1994, ce politicien à droite, tout bon, a eu de succès. Il a passé la loi tout bon et grâce à ça, 40% de la musique qui passe à la radio française doit être en français. Grâce à Afrika Bambaataa, grâce à l'old school français, on avait déjà des gens qui ont été appréciés par des jeunes qui rappaient en français. On était tout prêts. Le problème avec la musique en français, c'est que pour pas mal de jeunes, c'est considéré comme pas assez cool. La musique en anglais, c'est plus branché, c'est plus lié à la culture dominante. Alors, quand on a passé cette loi, le hip-hop, comme c'était aperçu comme quelque chose d'américain, quelque chose de très cool, c'était très bien placé pour une explosion. Et c'est ça qu'on avoue. Mais quand même, il faut attendre 2000, les années après 2000, pour un changement où on voit l'argent devient le sujet principal du rap français. C'est une chose assez triste
cette évolution, ce changement se passe aux États-Unis pendant les années 80. Okay. J'ai même fait une vidéo là-dessous qu'on peut regarder. Ça, c'est tout en anglais, mais là, je donnerai un lien aussi dans la description. Mais alors, ça, c'est arrivé quand on a abandonné le rap conscient aux États-Unis, les rappeurs comme, je ne sais pas, Public Enemy. Et au lieu, on a valorisé le rap criminel où le vendeur de crack devient le personnage principal du rap américain. On voit ce changement où le plus de succès qu'on a avec le rap, le plus que le rap est partout, le plus le rap devient vidé de ce sentiment conscient. Ça devient moins politique ou moins ouvertement politique. Ou si il y a de la politique, c'est une politique de capitalisme pur. Ce qui est fascinant, c'est que ça s'est passé aux États-Unis vers 88, mais en France, il faut attendre 2000. Et on voit que petit à petit, l'argent devient le sujet principal du rap français, comme c'est le cas dans le rap américain. Pour voir ça, pour prendre un exemple de ces années au début de 2000, comme le rappeur qui représente le mieux ce changement, Booba, qui a constaté dans un entretien, on n'est pas des messagers, on n'est surtout pas des assistants sociaux. Dans mon vidéo sur le changement du rap français vers un rap de droite, ce que j'appelle right-wing rap, j'ai essayé d'expliquer en fait que les valeurs de Booba sont très proches aux valeurs de Sarkozy. Et on peut même comparer quelques citations de Sarkozy. On peut mettre des citations de Sarkozy à côté des citations de Booba et on ne peut pas savoir qui a dit quelle citation. Alors, j'ai sous-titré une vidéo qui explique un peu le phénomène de Booba et ce qu'il représente. On ne va pas regarder ici, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est comment il est vu par les autres artistes et en fait qu'au lieu d'être rappeur, il se voit comme businessman. Alors, je vais... voilà, ici. Alors là, on voit clairement, c'est le rêve américain énoncé par un Français. Le rêve capitaliste, le rêve individuel. Oui? Bien, je donne un autre exemple, oui, de quelqu'un comme Lafouine qui a une chanson complètement débile où il répète les mots Red Bull et vodka 100 fois. Il se répète avec cette image de fête, de cet alcool. Alors, et on peut le comparer peut-être même au rappeur américain. Alors ça, c'est tellement fort, je suis désolé. Voilà. Voilà, ouais. Et je trouve ça le plus intéressant, c'est si on voit Sarkozy ou si on voit le FN, on ne vote pas. On devient complètement, pas seulement
pas engagé, n'est activement pas engagé, jusqu'au point où on peut soutenir le fait qu'on peut voter pour le Front National. Le Front National qui était souvent le cible principale des rappeurs des années 90. Alors, si on peut essayer de définir les différences entre le rap français avant 2000 et le rap français après 2000, alors on a oublié les DJ, le break et le tag. C'est triste, mais pourquoi est-ce qu'on oublie ces autres éléments? C'est parce que ça ne se vend pas. On ne peut pas gagner de l'argent avec ces autres choses, alors c'est ça qui est perdu. La même chose est arrivée aux États-Unis. Au lieu de manifester les valeurs collectives, ce sont des valeurs individuelles. Et l'argent, maintenant, c'est le sujet principal. Mais, et c'est ça qui est le plus important, et je dois insister, cela donne une voix aux gens qui n'en ont pas toujours. Toujours, c'est des immigrés, des pauvres, des gens de la banlieue parisienne, de la banlieue française, de Marseille, de partout, des gens qui n'avaient pas de voix. Maintenant, ils ont un autre parleur. Oui. Et on n'oublie pas de mettre en valeur la culture et la racine africaine. Même si la musique devient plus pop, on peut toujours tracer l'influence de la musique africaine, la culture africaine et le fait que ces rappeurs sont souvent assez proches de l'Afrique, c'est-à-dire une génération, deux générations ou moins, ça reste toujours un sujet principal, ça donne l'atmosphère, ça donne l'authenticité au rap français. Eh bien, ça demeure, ça n'a pas changé. Oula, je crois que j'ai mal prononcé demeurer. Ah, mes excuses. Si Apollinaire est là, en haut, je suis désolé, j'avais toujours du mal à prononcer demeure. C'est compliqué comme mot pour moi. Bien. Ça va, Toby? Hey, Toby, arrête de lâcher. Bien. Et la grande différence, c'est que le rap français, le rap domine la culture populaire. Comme aux États-Unis, comme presque pour tout le monde, c'est la culture dominante. C'est la culture hip-hop. Voulez-vous des preuves de ça? Alors, pour comprendre le rap, c'est le rap victorieux. Si on peut considérer l'âge d'or du rap français, si on regarde les albums qui ont eu le plus de succès, alors, combien d'albums de rap français est-ce qu'on a sur les 10 albums les plus vendus en France en 1997? Bocelli? Nope. Jean-Jacques Goldman? Nope. R.A.? Pascal Obispo? Spice Girls? Florent Pagny? Ah, I Am. Céline Dion? Oh là là. Un album. Mais si nous comparons ça à 2020, combien d'albums qui ont marché le plus avec la méga fusion, c'est un système où on essaie d'établir les albums avec le plus de succès en France. Alors, on a Nino, on vient de parler, Maïs, Dadju, Nekfeu, et si on va plus loin, on a 11, 16, 17, 18 et 19 aussi. Si on peut, si on compte le nombre total de chansons numéro 1, en tête des ventes en France en 2020, on avait seulement 19 chansons différentes. OK? Alors, parce que plusieurs chansons ont été là pendant plusieurs semaines. Sur ces 19 chansons qui ont été numéro 1, 16 étaient des chansons de rap. Alors, 16 sur 19. Seulement 3 chansons n'étaient pas des chansons de rap français. On était en tête des ventes, en tête d'écoute en France. Si on peut comparer ça aux États-Unis, c'est assez extraordinaire. J'ai oublié de traduire cette diapositive, mais aux États-Unis, c'était seulement 8. Et si on passe aux albums en tête de vent, si on a 52 semaines
de l'année, un album de rap français était en tête de vente 31 semaines sur 52. C'est dominant. Le rap français domine la culture populaire en France. On avait la chanson Red Bull et Vodka. Alors, ça va, c'est le vulgaire marketing. Mais maintenant, en France, quelques rappeurs, Big Flo et Ali, sont sur les canettes. C'est joli comme symbole, comme symbolisme. Alors, d'abord, on n'était pas vraiment comme ça. On ne parlait pas de marques, on était plus conscient. Puis on passe au moment où on parle des marques. On a un peu oublié un peu le sentiment du vrai rap. Et maintenant, on arrive au moment où les rappeurs sont sur les canettes. Assez extraordinaire. Et il ne faut pas oublier, en fait, que même Akhenaten, monsieur le représentant de l'âge d'or, a fait des publicités pour Coca-Cola. Alors, c'est bien. Alors, c'est ici où on arrive à Ninho, qui avait l'album qui vendait l'album de rap français, oui, qui avait le plus de succès en 2020, et la chanson Tout en Gucci. Et je veux renforcer, je veux surtout distinguer et souligner qu'il ne faut pas trop simplifier les choses. Ninho n'est pas Lil Pump. OK? Alors, c'est amusant parce que le titre de l'album de Lil Pump, c'était Harvard, avec le mauvais autographe, le mauvais autographe. Oui, alors, si on considère Lil Pump et on peut comparer et on peut trouver des choses similaires entre Lil Pump et Ninho si on regardait leur vidéo. D'abord, on est très loin de I Am et leur vidéo réaliste sur la réalité de la banlieue en France, de la cité en France. Oui. Mais voilà, je vais quand même souligner quelques différences. Oui. Alors, avec ce rappeur américain qui se répète Gucci Gang 30 fois, on voit des Lamborghini, des voitures, de la drogue, de la sexe, répétition. Alors, quand on arrive à Ninho, on va voir des différences. D'abord, avant de passer à Ninho, à la musique de Ninho, c'est important de noter que sa biographie, ce n'est pas du tout différent de la biographie de la majorité des rappeurs de l'âge d'or. Okay? Il est fils d'immigrés, il est d'origine congolaise, okay? Il est de la banlieue parisienne. Il est rappeur et chanteur pop, et c'est ce côté chanteur qui marque la plus grande différence entre l'âge d'or et le rap actuel en France, et parce qu'il est très mélodieux. Oh, je suis désolé, on fait le travail là. Alors, j'ai le chien derrière moi qui fait ce bruit parce qu'il lâche toujours. T'arrête de lâcher, voilà. J'ai ce chien qui ronfle et puis des gens qui travaillent en eau. Je suis désolé. C'est pas de ma faute, c'est ma faute, mais bien. Alors, mais on va regarder ce clip et vous allez trouver quelques échos de Lil Pump, OK? Par exemple, on commence avec un Lamborghini. Vous voyez, la voiture de luxe. Oui. Et si ce n'était pas clair, c'est assez important que les deux utilisent le mot Gucci, ce marque de luxe italien qui représente le luxe et l'argent et même l'excès. Je veux juste noter très vite là que l'écho, le coup,
En fait, ça, c'est l'influence africaine. Alors, je vais. Ici. En fait, ça, c'est l'influence de ce qu'on appelle Afro-trap en français, qui est un mélange de la musique africaine et le trap. Oui. Alors, ça, c'est assez intéressant. Mais bien, on voit Nino qui rappe ici dans un lieu fantastique, avec une voiture fantastique, et un peu comme Booba l'a fait, essaie de vendre le rêve de luxe. Oui. Il est seul dans sa voiture. Il y a des gens derrière lui, mais ils ne sont pas connectés. Oui. Il est tout seul. Il est grand. Il représente la grandeur. Oui. Il porte des lunettes. Il porte toute la voiture. Il porte tous les vêtements de luxe. Et bientôt, on va même voir un produit qu'il a fait lui-même, qu'il vend, parce qu'il est aussi. Il est aussi chef d'entreprise. Alors, il va faire de la publicité bientôt. Voilà, ici, il fait de la publicité pour quelque chose qu'il fabrique lui-même. Et puis le cœur. Et au niveau sonore, on voit l'autotune, on voit que c'est mélodieux. L'emphase, ce n'est pas sur la violence, ce n'est pas sur le rythme. En général, le rap, c'est fondé sur le rythme. Ici, c'est fondé sur la mélodie, qui est pour certains gens pas très agréable. Oui. Mais si on regarde les paroles, on peut nuancer les choses un peu. OK? Je m'habillerai tout en Gucci. OK, voilà, il se vante, voilà, je vais être très riche, très chic, etc. Devant le miroir, je me trouve BG, beau gosse, oui, c'est-à-dire très beau. Un peu gêné. Voilà la chose la plus importante de cette chanson, gêné. Il est un peu gêné. Pourquoi est-ce qu'il est gêné? Quand la famille demande le prix. Alors, c'est là où cette chanson se transforme, oui, de quelque chose assez banal comme Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang en quelque chose de plus profond. Il est mal à l'aise avec la richesse, avec le luxe, devant sa famille qui a probablement travaillé et voyagé beaucoup pour arriver en France, qui ont probablement vécu dans la misère. Alors, on va plus loin. Oui. En face, ils sont jaloux, jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je droit à. On voit en fait qu'il devient aliéné grâce à cet argent. Alors, est-ce que c'est vraiment une chanson qui n'est pas du tout consciente? Non, c'est bien conscient. C'est une chanson consciente de ce problème, la différence de classe, la difficulté de trouver du succès. Le décalage entre ses origines et son état actuel. Ce n'est pas une chanson sans importance. Finalement, c'est une chanson assez importante. Et on peut même faire, on peut étendre les choses un peu. Et ça peut appliquer à n'importe qui a un peu de succès, qui vient d'une famille qui n'était pas riche, qui n'avait pas de succès. Ça devient une chanson même universelle. Ce n'est pas une question de All the girls do cocaine, I have Lamborghinis, I have Gucci, 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 Gucci. Non. Quand ils chantent J'en m'habillerai tout en Gucci, il y a une certaine tristesse. Et dans cette tristesse, on a une chanson profonde. Alors, quand ma collègue m'a demandé, est-ce que c'est. On peut parler de l'évolution. Alors, au niveau de vente, au niveau de présence culturelle, oui, au niveau de l'art, ça, je ne sais pas. Là, je suis peut-être un peu ringard, mais moi, je dirais au niveau artistique, c'est de la détérioration de hip-hop comparé à l'âge d'or, surtout quand on a perdu l'art et la culture. On a remplacé l'art et la culture avec quelque chose qui est toujours de l'art,
mais c'est beaucoup plus mélangé avec le commerce. Alors, moi, je ne dirais pas évolutionne ou déévolutionne, je dirais plutôt l'expansion. L'expansion en France et mondiale du hip-hop qui devient la force culturelle la plus puissante. Je veux aussi noter que là, je parle et je simplifie les choses. En réalité, quand je parle de l'expansion, ici, voilà, ça, c'est un site web alors que je consulte assez souvent et on voit toutes les choses qui sortent, toutes les choses du rap français qui sortent. On a toutes ces chansons qui sortent avec tous les styles différents de hip-hop, plus dur, plus pop, l'afro-trap, le rap conscient. Conscient, comme la nouvelle chanson d'Orelsan, c'est vivant. C'est pour ça que j'apprécie tellement l'hip-hop, c'est que c'est jamais mort. C'est en train d'évoluer, c'est en train d'agrandir, mais ce n'est jamais mort. Alors voilà le discours que je donnerai je ne sais pas, il est quelle heure maintenant? Oui, il est 11h08. Dites-moi si ça vaut la peine de faire ces exercices des vidéos en français, parce que ben, j'ai plein de choses à dire, hein? Mais je ne sais pas si j'ai un public à m'écouter. OK, jusqu'à la prochaine fois. Voilà, caméra. Voilà, comment j'arrête ici. Je tape quoi pour arrêter? Parce que là, j'enregistre sur Zoom.